Bonjour YouTube, on est sur Binding of Isaac, j'espère que vous allez bien. Toujours. On va reroll, j'aimerais bien avoir un item ou un truc pas loin. Voilà, on commence là-dessus. On a quoi? Alors genre une pilule. Et là on a eu un petit pertre, ce qui est sympathique. From the world. Et voilà, je me suis pris un dégât des feux. C'est pauvre. On a un pertre pour changer, donc je me dis que ça peut être sympathique. Tout fait. Je connais pas cet item. Je connais pas du tout. Peut-être que je l'ai débloqué il y a pas longtemps, mais... On ne suis pas au courant. J'apprends des choses. J'ai déjà plus qu'un cœur, par contre. C'est chiant. Un cœur? Ben non, pas du tout. Que dalle, espèce de rana. Ah, une salle très agréable quand on n'a qu'un cœur. En fait, non, ça passe. Les mouches jaunes, elles sont un peu moisies. Une clé. Je dis oui. La même salle qu'avant, mais pas dans le même sens. Le boss est en haut. Ah non, non, pas de champion, ça. Ah, et quand tu tires, c'est ça, c'est vrai. Je suis en train de me bloquer, là. Ouh là là, il a essayé de me tirer dessus. Hein. On l'a vu, le petit jet vert qui m'arrive dessus. Voilà, avec tes petits jets verts, tu fais attention. On a rendu le projectile concussif. Qui fait qu'il a fui. Tu pouvais mourir au bout d'un moment. Ah, merci. Toi aussi. Tu es très très malin, dis donc. Peux-tu exploser? Voilà. Une batterie incroyable. J'ai peur. Ah, oh, mais il y avait un caillou marqué là aussi. J'ai pas vu, j'aurais pu... Ah, il y avait plein de trucs que je peux pas prendre, du coup. C'est Pin. C'est le petit Pin. Qui devrait pas trop poser de problème, normalement. Petit Pin, pourrais-tu décéder? Allez. C'est la folie. Oh, le combat de Titan. Qui va l'emporter? C'est Lazarus contre Pin. Quoi ça? Allez, pertre. Ah bah ça c'est mieux. Ça je dis oui. Hein. Ça je dis oui. Je dis oui clairement. Trois fois au moins. Et maintenant, c'est le darkness. Donc vous ne voyez rien. Il faut tourner. Est-ce qu'on pourrait... Ah d'accord. D'accord, d'accord. Je vais me la prendre, cette araignée. Ça va, ça va. Non. Ah! Je me suis pris, j'en étais sûr. Luck up. Un peu de luck, on va pas dire non. Ah, beaucoup de... Non, il n'y a pas de mouche, finalement. J'ai rien vu. Vous avez vu des mouches, vous? Parce que moi, non. J'ai pas vu de bombe, non plus. Parce que j'en ai pas du tout, en fait. Ah, item. Ce sera un bon item, j'y crois. Ok, merci. Ah, bah une bombe, voilà. On a The Void. Non, le Black Hole. The Void, c'est Black Hole qui est sympathique. Alors, on n'a pas de clé pour ces coffres, en fait. Et l'autre, il fait des dégâts. On va pas les prendre. Ah, non, on va attendre d'avoir au moins les deux, monsieur. Ce boss que je n'aime pas. Cette phase de boss que je n'aime pas plutôt. Vous dégagez s'il vous plaît. M'embêtez pas. Hein. On décède. Il est aussi aspiré dans cette forme. Ah, ça n'a pas duré longtemps de voir. Il me semble que ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Ah, je suis en plein dessus. Ça fait plutôt mal. Ça c'est la mort. Ça c'est la fin. Ça c'est le décès. Sûrement. Et vu à la vitesse où on lui enlève ses points de vie, ça risque d'être longué. Hein. Ah oui, alors moi je dis le décès. Oula, il a peu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Non! Ouh, l'esquive, hein. T'es calculé. Je pensais qu'il va tirer, mais bien, voilà. J'en ai marre de me la... Bah voilà, problème réglé.
A chaque fois, j'oublie que je ressuscite avec ce personnage. Et du coup, j'étais pas du tout chaud. Pas du tout chaud, hein. Bon, on a perdu notre vie. Un health up, on en a bien besoin, donc on n'a plus qu'un cœur. Ouais. Sur un item, ça a plutôt changé, donc... le problème, c'est qu'on n'a pas de clé pour récupérer l'item. On fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ah, bah voilà, il suffit de demander une clé, on vous la donne. Ah, je leur demandais pas de bombes, par contre. Que dalle sur les bombes, non, non, non. Oh, une salle de mouches, génial. J'adore les mouches, c'est vraiment... Putain de merde. C'est vraiment les ennemis que j'adore dans le jeu. Ils ont été designés de façon à être agréables et appréciés, je pense. Mais à part qu'elles ont des têtes très très mignonnes. Est-ce qu'il y en a une qui peut... Voilà, une des trois qui pouvait exploser, s'il vous plaît. Toi aussi, tu peux exploser ? Oh, arrête ! Tu te déplaces. C'est très chiant, ça, en fait. Un, des cœurs, un cœur gris. C'est cool. Peut-être protégé pour le Devil Deal, du coup. Devil Deal qui peut être très mauvais comme très bien. Ouais, la mouche, hein, pendant qu'il est encore temps. Une petite bombe, le Void est rechargé. C'est pas de Void, c'est le Black Hole, mais il est rechargé quand même. Pourrais-tu décéder ? Ah, deux Devils. Ça peut être pas mal suivant le boss. Oulala, oulala. Oh putain, il y en a combien? Comment dire Allez-vous-en. Décédez, hein, parce que. À un moment, faut arrêter. Hein. Vous avez vu combien il y en avait dans la salle? 48 heures d'énergie. Ben, c'est parfait, ça recharge notre item. Par contre, j'aimerais bien que tu prennes ce cœur. Du coup, on va pouvoir l'utiliser pour terminer l'étage. Ça va être quoi le recharger plein de fois. Ce sera un peu plus rapide et moins dangereux. Ah, ça marche pas sur eux, hein. Les larmes seulement sont inspirées. Parfait. Allez, on va prendre la dernière recharge. Au moins, on a évité deux salles un peu embêtantes. Même trois. Moi, on a pris les thèmes ici, pas encore. Ça, on garde. Ah non, on prend. On prend. Ah. Allez, on s'amuse en folie. Encore? Mais, si vous voulez, hein, mais... Allez, merci. Ah non, toujours pas. Ah mais, il faut tuer les mouches aussi, le vortex. Qu'est-ce qu'on tout fait? On est de quoi? On aurait eu un petit défi, ça, on aurait bien reroll, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme item? Ah. On va s'occuper d'eux d'abord. Quand on prend un dommage, un cœur, on gagne un... Oh, c'est pas mal. Un truc défensif. On gagne des cœurs quand on prend des damage. Un demi. Du coup... Ok. Et je pense pas que ça marche sur les cœurs gris. Ça marche que sur les cœurs rouges, j'imagine. J'aimerais bien encore avoir mon demi-cœur pour le boss. Ok. On prend le plus le moins fort en premier. Enfin, le moins résistant, plutôt. Ah, ça, on prend. Parce qu'on a besoin de clés et de coffres. C'est quoi qui m'a touché? C'est pas le petit truc, là. Ok. Allons voir le boss. C'est Shad. Ouais, on va devoir utiliser ça, sinon ça va prendre 8 ans. Hein. On va en avoir bien besoin. De ce truc, aussi... Ok, en concussive tir là. On fait vraiment zéro dommage de base. Hein. Abusé. Mec, le Devil, on est à peine à 7 quoi. Et ton petit, tu arrêtes de m'embêter. Allez, 36% de chance, moi je dis oui au Devil. Salaud.
Salaud, on a le Little Chad qui va nous donner des cœurs rouges toutes les trois salles. Ce qui n'est pas forcément... Ah. pas forcément officiel. Oula, on se calme. Tout ça. Oh, le Little Rock qui traîne. Et ça, c'est cadeau. Small Rock, mais dans ma tête, c'est Little Rock. Oulala. Le matchup qui est bien nécessaire actuellement. Faut que je les tape, quoi. Ils sont en forme petite, hein. Sinon, je vais jamais les tuer. Voilà. On a deux... On commence à regagner des clés avec notre passif, là. Plutôt pas mal. C'est gratuit, on prend. C'est offert par la maison. Ah, mais embêtez pas, moi. Dupliquer, tu es au bon. Bon, pour le moment, on va le garder. Ah, une... Est-ce qu'on va dans cette salle, devant? Dans cette salle... Oula, comme il est parti vite. Il triche. Tu es pris au piège, mon gars. Non, tu restes. Restez là, s'il vous plaît. Il faut que vous mouriez, un moment ou un autre. T'as rien, je la vois. Je te vois arriver, en fait. Toi, je t'aime pas. J'arrive pas à les tuer. Il fait de nouveau tout nuit. Ah voilà, on a une de plus. C'est bon, c'est fini. Ah, on a une clé en plus, c'est bon, on peut y aller. Ah. On va garder la clé pour la salle au trésor. Voilà. Comment dire. La salle item, salle au trésor. Un lock-up, ça c'est bien. Ça compensera la trinket qu'on a abandonnée. Mais si on gagne pas mal de clés, là, il y a moyen de... faire un truc. Oh non, mais comment je pouvais les voir, là? Sérieusement. Meurs. S'il te plaît. Merci bien, tu m'as donné une clé. C'est pas une clé, ça. Ah, le jaune n'est pas d'accord avec moi. Mais pas d'accord du tout. Oh non. Je devais pas gagner un cœur cri là. J'ai pas compris la logique de mon item défensif. Ça on va prendre, hein. C'est reparti pour le boss. Regardez. Si je peux faire tout ça. Non, et il a fini. Il a fini de façon cheatée. Ouais, toutes les moches que t'as invoquées, elles vont partir dans le void. Hein. Ah, c'est le Gurdy qui attaque, qui tire jamais, là. Je l'avais pas vu avec le manque de couleur sur cet écran. Bon, écoute, c'est long. Tu veux mourir, toi? On te voit, petite mouche, hein. Tu te caches derrière, mais je te vois à chaque fois. Hein. Allez, on arrive au bout, là. Parfait. On a le sub, décidément. Pas de dévilé, on s'est fait toucher. D'accord. On reprend ça. J'ai pas pris l'item, non plus. Faut aller chercher l'item. Un moment ou un autre. J'ai besoin d'autres clés, en fait. Clairement. Pourquoi j'ai pris le cœur gris? Je suis nul. Il faut pas que je me fasse toucher, hein. J'ai très peur de ce que je fais. Je joue ma vie. S'il vous plaît, explosez. Je vous conjure. Si vous pouvez exploser maintenant tout de suite, ça m'arrange énormément. Merci bien. On garde ça, on a besoin de clés, hein, clairement. D'accord, encore une mouche que j'aime pas. Super. L'augmentation de dommages qui est très bien passée quand même. Je parle de la mouche, elle me fait très peur. Tu ne me fais pas peur, les autres, c'est bon. C'est pas là, je voulais dire la chauve-souris, mais de la mouche. Je pense qu'on a une salle secrète juste là.
absolument pas. S'il vous plaît, donnez-moi l'item. J'en ai besoin. Je ne veux pas ça, j'ai dit. Arrêtez de me le proposer. Voilà. Oulala, oulala, tu te calmes, tu te calmes. Non, je vais me faire toucher, je vais me faire toucher. Je sais que je vais me faire toucher. Beaucoup trop de gens, beaucoup trop de trucs. Dégagez. Rends-moi ça. On remercie l'item. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, Shield Lectures. C'est pas mal. Je dis oui. Ça, tu prends quand même. Et du coup, vu qu'on a un cœur blanc, on se barre. Hein. On n'a pas de clé pour ouvrir ça, c'est dommage. Enfin, la salle qui est à gauche, là. C'est plutôt dommage. Ça m'embête un petit peu. Pas de clé pour ouvrir la boutique pour acheter des clés, ce qui est normal. On va donc devoir abandonner. Surtout qu'on a perdu deux clés pour ouvrir ça, ce qui est très chiant. Allez, on y va. On pense au cœur supplémentaire qu'on gagne. Oh, ma chaise qui meurt, je pense que vous l'entendez, mais... Elle est décédée dans sa... dans son esprit. Des bonnes pilules. 48 heures d'énergie, ok. Rétrovision, on va se faire chier pendant son puberté. Ok, Occupant Sunshine. On va utiliser ça, et on va garder ça. C'est marrant, on peut leur faire foncer dans les pics, du coup. À ces abrutis. On va avoir besoin. On peut jouer contre eux hein, avec le Chill of Tears. Vu qu'on peut repousser leurs os. Tout pratique. On a un build assez défensif hein, pour le moment. Mais... ouais, on n'arrive pas à les avoir hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut aller là? On peut? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, moi je dis oui à tout ça. J'espérais un peu mieux. Oh non, 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 on se calme, on se calme. Prends les pieds, rétrovision. RT, ok, on s'en fout. Ah, je prends plein de dégâts, je marche au sol, je suis bête. Une pills. Lockdown, on n'a pas une télépills. C'est ça, hein. Ça, si on. Vous dégagez, s'il vous plaît. Allez, main, super. Je pensais qu'on allait pouvoir enchaîner les deux. Combien il y a de mains, s'il vous plaît? 82, à peu près. Encore une. Merci. Je me suis bien fait détruire la tête. Pas de l'arme spectrale, hein. C'est assez pénalisant. À un moment ou à un autre, il faut que tu meurs. Hein. À un moment ou à un autre, je t'en supplie, il faut que tu meurs. D'accord, des trucs blancs. Sympa comme premier. Des clés, donnez-moi plein de clés, mais oui. Je dis oui à ces clés, moi. Tu es la couleur et tu mets du temps à mourir. Voilà, no scope le petit truc. Alors là, faut pas oublier qu'on peut utiliser The Void aussi pour casser tous les cailloux. Hein. T'en penses, The Picking Up Coins. Alors ça c'est vraiment bien, mais on a vraiment besoin de bombes en fait. Je suis pas convaincu par cette idée. J'ai vraiment besoin de clés là en fait. Hein. Parce que là ça va un peu mieux, mais avant on a abandonné des coffres dorés, scellés, c'était assez triste. On va prendre ça, hein, c'est pas ouf, mais... ouais, enfin, je sais pas. Non, mais non, mais je rentre dans la salle, je me prends des attaques de tête, là. On a les larmes qui traversent les ennemis, maintenant, ça peut être utile suivant l'ennemi. Ah, le petit chat qui sert quand même un peu. C'est pas un familier inutile. L'avantage, c'est pour ce genre d'ennemis. Pour les larmes qui leur passent à travers. Ça peut être très pratique, hein. Une bombe. Ça c'est gratuit, on va voir. Oh, il nous faut le sac.
J'aimerais ne pas. Est-ce qu'on peut avoir 5 pièces dans l'étage sans en sortir de ma machine? J'aimerais, si possible, ne pas le faire. J'essaie de mettre des pièces dedans. 5 pièces là. On va aller voir le boss. Salut. Alors, il pouvait pas exploser le truc aussi? Il manquait un coup quoi. Cette tristesse. C'est bien, on continue à faire soigner le truc. Par contre, le truc qui tue là, oh non, moi je dis stop. Hein, non. Lui, c'est bien, c'est que les larmes boucliers, il peut rien nous faire quasiment. Il tire que des petites larmes. Puis les mouches aussi, mais les mouches, c'est pas trop un problème. Et on a enfin un Devil Deal, ce qui est plutôt agréable. Avec un damage et aussi une maman. Une main de maman. Pourrais-tu venir, mon maman? Prends le damage up. Non, vite. Merci. Ah, une clé. Prends le damage up, hein, c'est sûr. Et on va faire l'étage maintenant. Voir si on peut choper encore quelques petites pièces. Et vu qu'on a clé infinie, ça peut être très intéressant de fouiller. Surtout de prendre la salle secrète qui est ici. Pas du tout. Qui est ici alors. Des clés. Attendez, il y a un potentiel de pièces là-dedans. Je n'ai point de chance. Bon, allez, on va voir en bas. Ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce ça? Ah, tous les trucs qui me foncent dessus là, hein. Que des ennemis comme ça. Ah voilà, tout bon. Ah. Pas super comme, comme accueil à vrai dire. C'est bon, on a 7 pièces pour le masque. Tout cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça on va pas le faire, hein. On a pas besoin de clé de méga ça, hein. Elle va dedans. On a pas mal de cœurs sur l'étage, donc moi je dis on va y aller. Voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Oh ben, c'est pas mal, hein. Un item de Devil Deal, une clé. La Shadow. Au début je croyais que c'était Judas Shadow, mais non, elle est à l'envers, Judas Shadow. Ok, donc... Ah mais on n'a pas tout fait encore, il y a encore des trucs en bas. Quand j'aurai tout fait aussi. Rien de super, super ici. Et une penny en plus, et un petit cœur. Ok, on pourra aller acheter le petit sac. C'est parfait. Comme ça, on sera bien pour la suite, parce que c'est ça qui va, il va nous fournir une petite quantité d'items non négligeables. Je crois que cette run, on est bien parti. Elle est peut-être un peu longue, hein, 21 minutes, on n'a pas fait grand-chose. Non! J'ai failli acheter la blue map. Oh, genre, je me serais voulu. Ah ouais, il nous donne un sac de base, parfait. Déjà, là, ça devient utile. Et puis, on va tenter la petite salle secrète ici. Comme d'hab. C'est quand l'item est désactivé. On prend parce qu'on n'aura plus besoin de choper... Ah non, mais ça va donner plus de coffres, ça, non? Ouais, non. Parce qu'on aura très rarement le void déchargé, en fait. Je pense. Allez, on y va. On est parti. Encore le Curse of Darkness, parce que c'est pas drôle si on l'a pas 152 fois. Alors on va essayer ça, pour péter les crânes, pour avoir peut-être des crânes noirs, des cœurs noirs, pardon. On a une carte que je connais pas. Alors on revient, on va péter ça aussi avant que j'oublie. Xlax, Round Jop, Ball of Steel, c'est cool. C'est quoi ça? Oh! Ah! Ça c'est très intéressant. Suivant si on est pété, on va peut-être faire un méga Satan hein, finalement. Si vous pouvez mourir, vous, ce serait agréable. Ah, il y avait un cœur gris, j'ai vu après. Je sais pas, il était assez rapide pour remarquer. Le cerveau est trop lent à la détente. Décède! Parfait. On prend ça. C'est gratuit comme ça, on prend. Bonjour, c'est pour un sondage. Vous me sautez dessus. C'était une façon très agressive de faire un sondage. Mais il y a une autre araignée, là. Oh, il faut que je voie les ennemis, hein. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, même. Starfula,
ça va pas le faire sinon. Ok. Tout bien placé. Oula, c'est pas sûr. On relance le void là au milieu et on espère avoir un cœur noir. Mais décidément, la chance est avec moi. J'ai pas énormément de luck, je le conçois, mais. Oh, le petit choc qui va m'emmerder là. Heureusement, il peut pas descendre vers moi là. Du coup, on est bien. C'est bon, on est le premier. Attention à ces trucs là. Et on s'occupe du deuxième ici. Il y a un seul item. C'est une bonne chose. Ok, tu peux décéder s'il te plaît. Oh, c'est long, il me faut des dommages. J'ai combien? J'ai 7 pour toi. Ah, mais encore tous ces trucs là. Voilà. Je crois qu'on a tout eu. Eh ben c'est nul, mais on n'a pas vraiment le choix. Enfin nul. Peut-être un grand mot nul. Ah non, pas pin. Pas pin dans ce genre de salle. Triple pin en plus, mais on est même pas. On n'est pas dans les étages. Vous pouvez pas me mettre des ennemis aussi chiant que ça maintenant déjà. Ok, décède s'il te plaît. Non. Oui. Parfait, la boutique, on va pas y aller. On va aller voir par là. Dans le noir total de cette map. Ouais, il est même pas mort. Merci bien, jeune homme. Le beau boss. Ça peut attirer le sac vers nous, ça? Ça marche. Oh non, le sac. Ah, le truc là. Je pense qu'on va aller direct au boss. Ah, c'est Mom, on a l'étage de Mom. Heureusement qu'on avait l'item. Hein. Sinon, c'était un peu pour nous. Toi le petit. Ah non, j'ai pas vu le pied. Pas vu le pied, faut faire attention en fait. Les araignées. Ah non, pas l'araignée, pas la grosse araignée. Pas la grosse araignée, pas les petites araignées, pas d'ennemis en fait. Le problème c'est que c'est Curse of the Darkness, du coup on voit pas quand les pieds tombent. Hein. C'est un peu embêtant quand même. Ah bah non, on a de la chance. Mais on devrait y arriver sans trop de problèmes. Mais je crois que c'est la Mom Stampy, la bleue. Du coup, elle va souvent poser le pied. Du coup, je vais bouger un peu tout le temps. Faire attention à éviter les ennemis. Là, on a eu le cri. Le cri de Mom qui va attaquer. Là, de nouveau. Ça va, je commence à bien maîtriser ma force, hein, quand même. On arrive au bout, là. S'il te plaît. Tu pourras décéder. Voilà, merci. On prend ce cœur. On prend le Polaroid. Et on va voir là. Putain, je vois vraiment rien. Alors, on va pas acheter ce truc, mais on va prendre les deux cœurs noirs. Hein. Quoique. Des Blue Fly. Allez, on prend. Ça peut être pas mal. On a pas mal de familiers, donc si on transforme sur un BFF, peut-être. Oh, il fait lumineux. Oh, c'est agréable, on voit bien. Je vais changer ma gueule. Je vais pas me prendre de dommage non plus pour ça. Un job. Bombes Arki. Puberté. Triple puberté. HP up. Transformation. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. On commence à être bien. Ces trucs, je les aime pas. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Il y en a un qui est à moitié invisible. Enfin, il est pas invisible, c'est marrant. Il est volant. On dirait un fantôme. Ah, ça c'est bien, on va recommencer à utiliser nos clés. S'il me donne autant de clés, hein. Moi je dis oui. On peut aller là? On peut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Allez, entente, Cricatade. Pas du tout. Allez, tu t'en vas s'il te plaît. Le petit Schwab. Ah bah c'était rapide. Je commence à avoir un bon stuff, hein, quand même. À être bien. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Heureusement, on a les larmes qui percent, qui passent à travers les ennemis. Du coup, plutôt pratique sur ce boss. On obtient une petite, un petit cœur. Donc, c'est mieux créé.
un petit peu l'hostile, comme ça, moi je dis oui. Hein. On prend, hein, quand c'est gratuit comme ça. Il faudrait que je puisse voler, moi je suis bien, moi je suis content après. On a pas mal de cœurs, on est plutôt bien. Ah, je me suis pris trop de trucs. Je n'étais pas prêt. Ah, non. Oh, non, non, attention. Attention à ces trucs-là. À ces ennemis de Satan. Il y a tellement d'ennemis au centre qu'on se concentre sur le reste et qu'on se prend tout ça dans la gueule. Ça, c'est un peu une salle pas très agréable. Bah écoute, si tu veux de laveur, on va l'utiliser. Je préfère garder l'autre. Oula, oula. D'où sortent toutes ces bombes? C'est eux qui font spawn des bombes. Il y a une version 2 qui font spawn des bombes. C'est pété. Complètement pété. Ah non! J'étais persuadé qu'il était mort avant. Ok. Encore un portail là. Un ennemi pas trop problématique. Où est-il? Il est là-bas. Il est là-bas maintenant. Il est mort. Parfait. Ici. Bah vous êtes tous morts, d'accord. Ils essaient de sauter et ils meurent avant. Coin magnet, c'est pas ouf, hein. Je préfère garder ma petite clé, là. J'ai eu de la chance, hein. Qu'est-ce qu'on a là? C'est bien. On commence à stocker des items histoire de pouvoir d'être très bien plus tard. Encore mieux qu'on ne l'est. Allez-vous-en. Ah, d'accord, je me suis touché par ça. C'est plutôt triste. Ah bah voilà. Le blue bag, HP up. Ouais, c'est gratuit. J'aurais dû la mettre plus en haut pour éventuellement tenter une salle secrète, mais bon. Oh, vous n'êtes pas les pires ennemis. Moi je suis assez chaud pour faire l'étage, hein. De toute façon on vient de passer les 30 minutes, on va pas pour aller à Hush. Donc autant profiter de tout ça. C'est une run toute calme, toute paisible, pas trop pété pour une fois. Allez, apporte-moi ça là. Il y a des trucs dans ces cailloux. Ah bah voilà, il y avait un caillou marqué, je l'ai même pas vu. Le Black Void, c'est la première fois que je l'ai aussi longtemps, et finalement il est plus utile que ce que j'aurais pensé. Hein. Non, arrête de pousser mes trucs, abruti. Prendre des dégâts là-dessus, si possible. C'est bon, on a tout fait, du coup. On peut aller dire coucou au boss qui est... Je ne le vois même plus. Ah oui, à droite. On n'est pas encore à ma Hitlive, hein. Non, je crois pas. Je crois que c'est juste avant. Enfin, j'espère. Ok, oui, alors c'est clairement pas un problème. Surtout avec les tirs perçants, vu qu'ils se divisent. Ça permet de toucher tout le monde en même temps, ce qui est très pratique. Regardez-moi ça, c'est piece of cake. Un petit devil deal, on a 36. Ah, pas de devil deal, mais un item plutôt raisonnable. J'ai juste besoin d'un peu plus de damage. J'ai pas d'item à damage, ce qui est assez triste. Par ici, nous avons devant des ennemis qui vont me foncer dessus. Ah non, non, je m'en fais toucher. Tout me touche. Ne me touche ou pas. Bordel. Comment je suis pas... Pourquoi il y a 15 000 batteries pour faire tout l'étage à coup de Black Void, hein, je crois. Ah oh, moi je vais pas me gêner, hein. Il y a des bugs de visuel par contre. Hein. Ils sont encore en vie là? On a qu'on survécu. Ah non, faut pas déconner. Hein. Attention. J'ai jamais vu autant de batteries. J'ai pas compris pourquoi elles ont popé à foison comme ça. Hein. Pas non plus faire que ça. C'est vrai. Ah oula, il y a un truc qui m'a fait des dégâts. Attention. C'est quoi celui que j'ai?
Ah, ça fait des pièces celui-là. C'est pas ouf. Là, j'aurais dû avoir le void. Non, ça passe. Ça passe, ça passe. Pride. Le plus simple, d'après moi. Un petit sun. Ça, c'est bien, on aura la map. Avec la South of World. Ah, on a Curse of the... Mais c'est ça que je voulais garder, moi. J'ai pas le bon item, sûrement. On a une librairie ou un truc, là. Plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir par là? Ah, ça, c'est bien. Une bombe. Il y a moyen d'avoir un item avec ça. Ouais, je préfère garder ça, parce que... Il faut que je me fasse toucher, et je pense que c'est sur mes cœurs rouges. Sachant que, bon, j'en ai pas mal, les cœurs rouges, mais... Oh, allez vous faire foutre. Il y en a encore qui ont survécu? Vraiment? Ma clé. Merci. Donne-moi ma clé, cher jeune homme. Ok, ça passe easy. Easy peasy lemon squeezy. On n'est pas riche en cœur. Ça ne me sent pas forcément dans la sécurité de l'extrême. Est-ce que je peux arrêter de me faire téléporter quand j'essaie d'entrer dans cette salle là-bas? Ça fait déjà deux fois. Sérieusement. Troisième fois que je me fais... C'est possible ou... Merci. D'accord. Tout ça pour ça. On va voir par ici. Oulala. Là là. Ouais, j'aurais bien voulu avoir ma batterie. Ah, une clé d'or. Un peu con de l'avoir maintenant, mais... Oh, reviens là, mon petit. Encore une? Mais j'en avais déjà une. Alors, la petite salle secrète ici. Prends tout ça. On explose le monsieur. On va passer par là, c'est un raccourci. Ouais, j'ai pas envie de faire tout étage. Hein. C'est long. Non, il a laissé du sang par terre. Donc, j'allais prendre les cœurs que j'ai un peu abandonnés. J'en aurais besoin. Ah, il y a un truc qui m'a soigné. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui m'a soigné. C'est... Je me fais tout le temps téléporter hein, à cet étage. C'est horrible. Enfin, horrible. Il y a pire, mais c'est chiant. C'est bon. C'est Hit Leaves. C'est vrai qu'on a Hit Leaves, hein, après réflexion. On peut poser un petit Black Void, là. Histoire d'être tranquille sur les larmes. Peut-être poser le Black Void un peu plus tard. Ouais, donc ça, on lui fait très très mal. Hein. En plus, on a les larmes shield, du coup, pour pas me toucher. Oula, par contre, ça, c'est un peu plus dangereux. Je sois un... On arrive quand même à lui faire des dégâts, c'est abusé. Ah, c'est pas ouf, hein. Vraiment pas ouf. Parfait. Problème réglé. Oh, on avait... Ouais, on avait que 10%, d'accord. On a pris le Polaroid, hein. Oui, on a pris le Polaroid. Pas pris le négatif. Je me rappelais plus. Ok, on monte dans la cathédrale. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une pile, d'accord. Lockdown, lockdown, super. On n'a pas de cœur du moment, on va pas aller visiter la petite salle derrière. À ce but, ce qui manque, c'est les larmes spectrales. Et là, on serait très bien. On pourrait tout traverser. Ça, on prend. Ah, des éventuels cœurs. Sa mère. Oh non, 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 non. Mais non, allez, il me spawn dessus aussi. Ces ennemis de la mort. On va poser ça là. Ça va peut-être tout péter. Non. S'il te plaît. Allez, des cœurs. Ce jeu de rad, hein. Zéro cœur, sérieusement. Alors, ok, on prend pas trop de risques, là, parce que ça va être compliqué, ici. Ah bah, super, on a une batterie. Ça va... On a bien fait de l'utiliser, du coup. On se concentre sur DS. Ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. On se prend...
On va mourir, on va mourir, on meurt pas, meurt pas. Où est-ce que t'es, saloperie de poste à la con? Il est où ton cheval? C'est bon? Il y a une boutique. Un truc. Dites-moi que c'est des bons trucs. C'est pas vraiment des bons trucs, ça. Ça, je prends. Ça, je prends. Oh oui, je prends. Alors, lui, il est chargé. Il y a un cœur qui traîne, là, aussi. On va juste utiliser une dernière fois Black Void. Oula. Oula, alors, il veut le défier. Hein. Il veut le défier, le Void. Hein. Vous ne pouvez pas, normalement. Vous trichez, là. Parfait. Une batterie, ça fera un cœur, en plus. Ça, c'est très bien. Le livre satanique, là. Il me sauve. On a un nouveau Cure of the Lost, hein, décidément. Enfin, pas the Blind, pardon. Mais là, on en a besoin de ces cœurs. Plus que clairement. Alors, par ici, s'il vous plaît. Ah, il y a un truc qui m'a soigné. Je sais pas quoi, mais il m'a soigné. Ah, ça devait être... ça devait être, comment il s'appelle? Little Shard. Je veux dire, une petite salle secrète, ici. Dommage. Elle est peut-être ici. On a plein de bombes, donc autant essayer. Elle est ici, en plus. Elle est pas officielle. D'accord. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Ne me cherche pas dessus, ne me touche pas. Je te déteste. C'est bon. Elle m'a pas touché. Je vais très bien. J'ai plus besoin de batterie qu'autre chose. Je vole pas. Ça va être compliqué d'aller jusque là-bas. Décède. Ok, que dalle. C'est pas se prendre les pics, s'il vous plaît. Oh non, toi, ça va être très chiant, cette lame. Super. Je pose... je pose une bombe pour enlever les cailloux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait... Ouais, non. J'allais dire, on peut se barrer, mais il est bientôt mort. Ah, bon, on a bien fait de rester. Hein. On a bien fait. On commence à être presque full life. Enfin, full life... on a regagné les points de vie qu'on avait perdus. C'était quoi les bas trucs qu'on a essayé? Enfin, voir. Mais on voyait avant. Je me rappelle qu'on a vu ce que c'était. Je crois que c'était Lockdown. Parfait. Oh oui. Ça, je dis oui. Et on va juste faire encore une petite salle, histoire de la charger normalement, et ensuite de la charger une deuxième fois. Je fais toucher ? Merde. Comme carte. On va d'abord aller prendre la batterie. Sinon, j'oublie, parce que ma mémoire est nulle. Qu'est-ce qu'on a là? De DVL. Ah, ça peut être pas mal, hein. Juste pour le boss. Pour le moment, on va garder celle-là, au cas où il se passe quelque chose, du type... oh, je sais pas. Télépils Error Room. Sur un malentendu. Décède. Parfait, encore un peu de cœur. Le cup. Le cup. Bon, si on pouvait trouver le boss, moi, je dis pas non. On l'avait pas... Non, on l'a pas trouvé, hein. J'ai un doute, non? Ah, ok, vous marquez. Oui! J'ai pas besoin de ça! C'est méga fatigué, c'est super comme ennemi! Oula, 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 pourquoi il a fait ça d'habitude? Il vient jusqu'à moi? Je sais pas, c'est peut-être bugué. Peut-être le concussier tire, ce qui a fait effet au mauvais moment. Que... Prends le cœur. Eh ben décidément, cet étage est gigantesque, j'ai l'impression. Passage. Bon, on peut pas l'utiliser ici, ce qui est normal, en fait. C'est juste bête. Ah, bah le boss. Toi, tu ne m'inquiètes pas trop, hein. Au pire, tu vas revenir avec toute ta clique. Ah, par contre, tu fais des harmonies. Oh, mine. Reviens avec toute ta clique, là. Voilà. Que je vous défonce. Ah, j'ai... Ah, c'est tout le monde est mort. Ça fait quoi? On dit expulse. Je sais plus. On va garder ça. Isaac. C'est bien, on a les larmes. Les larmes shield qui l'empêchent de tirer en fait. Il peut rien faire. Il n'arrive même pas à tirer. Enfin, dans ma direction en tout cas. Une première forme qui va être très vite être fait du coup. Du moment qu'il se téléporte pas, je suis bien. Je peux juste rester comme ça.
Il peut rien faire, le pauvre, je tire plus vite que lui. Et il se décale un peu. Il est pas si nul que ça, il est malin. Il est malin, le fourbe. Ah non, oh merde, je me suis mis dedans, fallait pas que je bouge. Ah, l'arme bouclier là, ça fait le taf, hein. Mais genre bueno quoi. Sans ça, je serais tellement dans le mal. Bon. Pas se tromper, et c'est le décès d'Isaac. Et oui. Allez, on a déverrouillé Lazarus Rage. Intéressant. On débloque plein de trucs ce soir, et ça c'est bien. Nanana. On a pas mal de clés pour ouvrir tout ça. Ok, ok, ok. Alors ça je le prends. Oh putain, plus 4, 8, 36. Ça, ben voilà. Ça, hein. Ah super. Et puis lui, on va le prendre pour le prendre. Pas oublier qu'on peut... On va faire ça d'ailleurs. Pour ouvrir la porte. J'ai peur que si je pars et que je reviens, la porte se... C'est la première fois que j'utilise cette carte. La première fois que je l'ai, là aussi d'ailleurs. Que là, la porte soit refermée. Peut-être que j'ai tout baisé. Hein. Non, elle reste ouverte. On va faire l'étage, hein, histoire de débloquer les trucs. On essaie un méga Satan, quand même, après. Mais ça risque d'être très compliqué, les gars Satan. On va essayer de récupérer un maximum d'items. Le méga Blast. Monsieur Méga, c'est pareil. Il bouge pas, il attend. Il est complètement bugué. Je savais pas quoi faire. On peut avoir des coffres, s'il vous plaît. J'ai quand même deux de luck. Hein. Ah, d'accord, des ennemis que... qui sont un peu chiants. Je vole pas, donc faut que je fasse gaffe où je marche. Viens par là, mon petit, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Les trolls bons, d'accord, super. Envy, alors ça va être génial. Oh, triple Envy. Déconne pas, non. Voilà, ils sont tous mis dans la petite salle en bas, là, c'est plutôt pratique. Ah non, ils commencent à venir vers moi. J'en ai mis partout, c'est le gros bordel. Ce bordel incroyable. Les lames perçantes plus bouclier, c'est vraiment fort. Hein. J'avais jamais eu cette synergie, c'est plutôt cool. Non, si on n'arrive pas à prendre de dégâts sur toutes ces salles, moi je dis oui. Un petit cadeau. Moi je dis, on peut peut-être avoir une salle secrète ici. Non. On utilise le livre hein, pour se remettre de la vie. Focus Death. Ah non, d'accord. Focus quand même Death. Non, non, ce câble là, je prends trop de dégâts. Parfait. Ce truc encore. Bon, bah, tout ça pour une clé. Pas officiellement. Hein. Oh non, 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 vous savez que je vous déteste, vous. Vous savez que je vous déteste. Vous savez que je vous déteste. Meurs, 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 meurs. On a pris beaucoup trop cher sur ces deux dernières salles. On prend de la concentration, maintenant. Double ultra grid. Franchement, easy peasy. Avec le stuff que j'ai en plus. Alors ça, une salle avec des araignées. J'ai jamais eu ça à cet étage. Au chest. On prend ça, hein? Bien sûr que non. C'est le gros Gurdy cette fois. On va utiliser le tower. Il va accélérer un peu le processus. Parce qu'il est chiant. Et puisque cette carte ne servira à rien d'autre. Ah, quand même. Poison Tears, random. Ok, on a un pourcentage de Poison Tears. De Forsaken. Poison Tears qui est un bon item pour nous. J'aurais préféré avoir l'autre. On a une Short Invisibility, ce qui est plutôt pas mal. Alors on a Chub vert, qu'est-ce qu'il fait le vert? Il explose, c'est quoi? Non, je sais pas. Il doit faire apparaître des trucs différents. Ah oui, il fait popper des petits trucs comme ça. Purity, ça s'en prend. Un cœur gris en plus. Oula, se calme, doucement. On leur fait quand même vachement mal. Hein. Je pensais pas qu'on serait autant pété avec ce stuff. Mais on a eu aussi le Cricket's Head là, qui fait grosse différence, quoi. On a gagné énormément de dommages. Ah, on a débloqué le Mystérieux Egg. Je sais pas quelle était la condition pour le débloquer, mais on l'a débloqué. Les petites araignées, d'accord. Ah, on a trouvé Blue Baby. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Je pense pas que c'est la meilleure des idées. On va faire un peu plus l'étage. Hein. Peut-être regretter cette action.
Ok, laissez des s'il vous plaît. Allez, on meurt. Je vous en conjure. Je vous demande paisiblement de mourir. Parfait. Il ne donne pas beaucoup d'items, hein, par contre. Là, ce qui nous fonce dessus à vitesse grand V. Je dis oui à la petite salle secrète ici. Ah non, elle est pas là. Ah, on a un bon out. Un bon out. Et ça, c'est cool. Il y a plein de cœurs rouges qui traînent partout. De toute façon. Moi, je dis, on peut aller voir. Comment il s'appelle? Isaac. Non, Blue Baby. Je pense pas que ça va être un problème. Il va pas pouvoir spawner de larmes. On lui fait très mal. Moi, je dis, ça va bien se passer. Puis après, on pourra aller voir Mega Satan. Ah, là, j'aime quand ça se passe bien. Je peux même ne pas bouger. Parce que j'aurais besoin de bouger. Oui, viens au bout d'un moment. Il a même pas le temps de tirer, on a un débit de larmes plus élevé que lui. C'est abusé. Parfait, c'était du rapide. Ça n'a même pas fait toucher. On débloque plein de trucs. Mais bon, il y a aussi Delirium. Je préfère faire Méga Satan que Delirium. Surtout qu'après Méga Satan, on a encore une chance d'avoir Delirium. Qui, sauf erreur, est de 50%. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plus facile d'accéder à Delirium que Méga Satan. Alors, on se calme là, tous les trucs. Putain, il y a combien de monstres? Heureusement que c'est pas des monstres 2, parce que j'aurais pris très très cher sinon. Ils sont tous morts là? Ah non, pas du tout. Il y a encore plein. C'est bon là? On a tout fait? On prend tout ça. Ah, mais ça continue! Vers l'aventure! Cette salle de mort! Cette salle de mort! Cette salle de mort! Ça va. Genre, c'est quand même très mal. Mais c'est une salle très très méchante, ça, qui nous donne. Avec notre petit cœur d'os, pas aller encore en haut. À notre gauche. Avant d'aller voir Mega Satan. Je peux pas passer par là, pas du tout. Ouais, faut que je passe par là. Si je prends pas le bon chemin. Petite run de 50 minutes où on est bien allé loin. Ok. Le poison. Oh putain. Pas super mal. C'est vrai, il nous manque une charge pour gagner un cœur. On a tout fait. Hein. C'est un peu dommage. Du coup. Je pense qu'on va prendre le shoot d'Aoup. Plutôt que lui, quoi. Allez, on va Mega Satan. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Mega Satan. Très très longtemps. Pas très bon. Shoudaoup, j'ai pas l'impression qu'il a fait un très très grand effet. Ah putain, les larmes shieldées plus, comme on dit, plus pénétrantes, c'est oufissime. Regardez comme ça arrêtait les vagues de larmes de Mega Satan. Je vais me mettre sur les ennemis, ça sert à rien. On s'occupe de Death en premier. C'est où il m'a touché? Ah bah c'est une faux forcément. C'est un peu trop touché à mon goût là. Un peu trop beaucoup. Et encore là le petit truc? Non. Ça Mega Satan. On fait attention à ça. Ah par contre ça arrête pas. Forcément. Ah ben voilà. On passe encore en phase. Il y a un Envy. Ah il continue à faire ça. Attends, il tue carrément Envy. Ah mais je le voyais pas. Eh, tu triches. Tu triches mon petit. Ok, encore un super Envy maintenant. Clairement pas un problème. Le pauvre Mega Satan qui a rien demandé. Merde, je me prends des dégâts. Super Lust. Ah, je prends beaucoup trop de dégâts là, on va se calmer. Hein. Ah mais il y a des trucs au sol, c'est pour ça. Faut que je fasse attention au sol. Voilà. J'aimerais bien qu'on passe en face de nous. Hein. Regardez comme ça arrête ces trucs, c'est abusé. On passe aux anges. Pas très en confiance contre les anges. Hein. L'ange noir. C'est bon, c'est bien passé. Le deuxième. Je sais jamais quel ange tire dans quelle direction. Si tu pouvais mourir par contre, ce serait très agréable. Oh putain, j'ai cru qu'il mourrait. J'ai cru qu'il allait laisser l'animation de mort. Oula, j'ai eu de la chance.
J'ai voulu viser sa main et ça m'a fait esquiver tout. Sa main qui repop, parfait. Ah non, j'ai cru qu'on passait en phase 2. Oh, ça met du temps à le tuer quand même. C'est un Satan assez hard, mais pas impossible. Ah, phase 2. Qui pour moi est plus simple. Hein. Surtout qu'on, pas qu'on oublie qu'on a notre carte. J'espère qu'on peut aller à Delirium après, histoire d'enchaîner avec Delirium. Ça pourrait être vachement cool. Ouais, en plus, on peut arrêter les... le feu. Regardez, on peut tout arrêter. Il peut même pas cracher du feu. Ah, mais je peux pas... Merde. Je croyais que je pouvais tirer en même temps. Ah non, non, je me suis fait toucher par quoi? Ah, mais ça se sépare, j'avais pas vu. Faut que je regarde. On a encore deux cœurs, c'est pas officiel, moi. On peut se faire un passage mais géant. Il est bien défoncé. On va l'avoir, on va l'avoir. C'est un long temps que j'avais pas eu un méga Satan un peu complexe comme ça. Ah, j'ai cru qu'il était mort. C'est bon. Méga Satan, allez, s'il te plaît, Delirium. Delirium. Je suis content. On peut s'amuser. On n'a pas beaucoup de cœurs, mais moi je dis c'est possible. Il faut juste qu'on en gagne un peu. Oh! Est-ce que je pouvais reprendre ma Bible satanique? Si je pouvais et que je l'ai pas fait, je suis débile. Débloquons la carte de crédit. Il y a plein de trucs qui sont débloqués apparemment. Trois trucs, plein de trucs, c'est pareil. On explose ça. Pretty Fly. Et Full Heal. Full Heal qui passe bien quand même. On n'avait pas eu de Pretty Fly du tout, c'est marrant ça. Du coup on se bat avec un shoot d'aoup, hein. À l'étage à Delirium. C'est pas la gloire, hein. J'espère juste qu'on a le temps de trouver assez de boss avant d'arriver à Delirium, histoire d'être un peu plus... surtout au niveau défensif, au niveau des cœurs. Il y a un KO marqué. On le voit. Exploser tout ça, on sait jamais ce qu'il peut y avoir dans les champignons. Ouais, on le fait quand même très mal, hein. C'est bon, c'est pas Delirium, c'est un petit Lucky des familles qui va rien pouvoir faire. Else up. Ah mais attendez, j'ai laissé un cœur gris là. Je l'ai pas pris. Suis-je aveugle? J'aime bien, il est parti à l'opposé d'où j'étais quoi. Il m'a vu puis il a fait, non, je vais l'autre côté. Ok. Elle meurt du poison. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'hésite pas à péter tout ça. Hein. Je suis un peu dans la recherche de tout ce qu'on peut avoir. Hein. Donc, des cœurs noirs qui traînent dans les crânes, je dis pas non. Hein. Ah, ça fait plutôt mal en fait. J'ai perdu mon cœur gris. La clé, on s'en fiche. On en a bien assez. On prend pas de risque. Des boss. Plein de boss. Coucou, qui es-tu? Super. Ah bah la Pokéball. C'est vraiment l'item que j'avais besoin. Non mais c'est nul la Pokéball. Et ici nous avons... Le gars... Oulala, tout comme il l'a lancé. Genre le vol plané. Bah écoutez, on va pas avoir d'autres... Oh, Lamp of Call. Alors ça c'est bien. Ça c'est cadeau. C'est un très bon cadeau, je dis maintenant. Parce que vu qu'on tire pas mal loin, alors... Prendre la clé. C'est tout. Fais attention, là, il y a un truc. Un truc, je sais pas comment on peut appeler ça. Genre, on prend un cœur noir, peut-être. Un Angenman, ça pourrait être pas mal aussi. Il y a bien mieux, mais c'est mieux que rien, franchement. Ah, je me fais toucher. Bon, il y a plein de cœurs rouges qui traînent partout, c'est pas trop un problème. Je vais prendre d'ailleurs ces cœurs rouges qui traînent partout. Hein. Plutôt que de les laisser et puis après de tomber sur Delirium et d'être dans le caca. Avec un cœur en moins. Et ben voilà. Ouvre ta bouche et ne réfléchis pas. Je perds deux cœurs alors. Il sera pas là de toute façon. Ah carrément, encore un. Eh ben, j'espère que ça va se passer aussi bien que la dernière fois. Il peut vraiment rien faire avec les larmes, Shield.
La Marseille n'a même pas le temps de m'atteindre. J'ai même pas besoin de bouger. C'est lui qui doit se téléporter. Bon, les bombombing, c'est vraiment pas ouf, mon gars. Ah, il y avait un truc juste devant l'entrée, quoi. Heureusement que je tire en entrant. Comme une batterie, d'accord. Profitons de ces batteries. Hein. Profitons. Alors, vous n'êtes pas les pires des ennemis, maintenant. Quand t'as un stuff pour les défoncer assez rapidement, c'est... Qu'est-ce qu'on a là? C'est de bloat. Ah. Très cher de bloat, là. Non, je me suis touché. Je peux avoir ça, cet étage? On va clairement l'utiliser, hein. Clairement l'utiliser, alors. Ah, un petit cœur, là. On prend. Rétrovision, on touche pas. On ne touche pas à rétrovision, hein. C'est limite, hein, le passage. C'est tellement violent. Tu par ici, nous avons quoi? Quoi comme la pile? 48 heures d'énergie. Pour le moment, on va la laisser là. Ah, encore un boss. Par contre, ça pourrait être délirium. On commence à avoir fait pas mal de tours de l'étage. C'est bien, on est full life. Moi, je dis si c'est lui. Mais ce n'est pas lui. Mais... Alors, putain, ça fait mal. Hein. La bombe, elle fait vraiment très mal. Sur un étage de type délirium comme ça, HP up, c'est pas mal. On aura un peu plus de vie pour se faire le boss. Random effect par room. Ça peut être utile. Parce que ce sera plus utile que les clés. Parce que tout ça, les clés, là, on en a plus besoin. Quand on bosse, qu'est-ce qu'on a comme carte? Dupliquer sur bombe. Donne. Merde. Mars, plus ou moins. Puis on a quoi comme pilule? Lockdown. C'est délirium. On se passe en Gunman. Et on devrait réussir à le gérer d'après moi. On a de quoi bien se protéger en fait. Si on tire en permanence, on est plutôt... Oh non, il a esquivé le chou d'Aoup. Ah, ça je déteste ça. C'est très désagréable pour les yeux, tu sais mon petit. Où est-il? Ah, c'est Pin, évidemment. Ah mais attends, il y a un item là, qu'est-ce qu'il fait là cet item? Il peut y avoir des items comme ça dans celle-là des... C'est quoi ce bordel? Quel est ce bordel? Bonsoir Cassia. Plus grand 3. Non, plus petit que 3 aussi à toi. Nanana, pourrais-tu décider? Mais c'est bien si on peut enchaîner des... non, par ça. Il prend assez cher. On est juste... Je pense que ça doit le faire, hein, quand je regarde ma vie et ce que j'ai perdu. Par rapport à ce que je lui ai mis. Le boss de l'horreur, quoi. Il se passe tellement rien dans tous les sens, ça veut rien dire. Ah non, non, tu ne me charges pas dessus comme ça. C'est peut-être pas très très gentil. Je déteste cette boss pour ça, quoi. Ah mais c'est juste un death, ça? Attendez, il y a des... Depuis quand il fait spawner des boss normaux? Ça n'a aucun sens. Isaac, le pied, il est où? Le pied, là, hein. Alors, l'ange, ça me tente pas trop, l'ange. Si tu pouvais changer de forme. Je sais pas si c'est délirium ou s'il invoque des boss, des fois. C'est la première fois que je le vois invoquer des boss, en fait. Ah, d'accord. Putain, il est tellement vénère. Hein. Ah non, mais ça, j'étais là. Tu peux pas faire apparaître un boss sur moi. C'est injuste. Ah, le petit Larry, ça, je dis pas non. Bah toi aussi, hein, le petit Dingle, ça me va. Par contre, il peut éviter de se téléporter dans mon dos. Le petit Chev aussi. Il est midlife, je suis midlife aussi. C'est serré. J'ai eu très peur. Qui es-tu? Où es-tu? Tu es Gurdy. Tu es Gurdy dans le coin. Tu es Forzacon maintenant. D'accord. Tu es nouveau Gurdy. Faut choisir, hein. Alors, si tu restes comme ça, moi, ça me va. Double up. Alors ça, non. Ça, je dis non. S'il te plaît, change de forme. Change de forme. Merci.
Encore un ange. Non, 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 non. Pas les anges. Pas les anges de la télé-réalité. Je vous le demande. Je n'aime pas cette émission. Alors, le kiff, ça me montre bien. Oulala, oulala, oulala. Là, 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 là. Non, mon cerveau, il suit plus, là. Il est mort. Forme d'accueil. Oula, oula, putain, déjà qu'il est rapide de base, alors en forme délirium, ça veut rien dire. C'est marrant, il tire quand même des larmes rouges, des fois. Ah, le petit cœur, là. Il y a le masque aussi. Oh, encore un ange. Mais un moment, faut vous calmer, là. J'ai mal aux yeux, tellement ça dure depuis longtemps. Ah, c'est le décès. Allez, vous en reculez tous. Oula, oula, oula. Mais non, ça devrait le faire, vu les... Vu que ça fait un moment que je prends plus de dégâts là. Ouh. Là il s'est doublé. C'est vrai qu'il s'est doublé. Ah, je me suis fait soigner par je sais pas quoi. Il y a toujours le... le cheval bâton de Death qui passe de temps en temps. Mais, salut, je suis toujours là. Eh mais c'est bon, on avait tué des lirums. C'est pas grave tout ça. Oh oh oh. Parfait. Ah, ça c'est bien. Je me rappelle plus ce que c'est la cinématique. Après, c'est celle-là. Attendez. Voilà, regardez, pas vite en gros. C'est pour dire au revoir à YouTube. Au revoir à YouTube, merci d'avoir regardé cette VOD de qualité. Donc elle est plutôt intéressante. Pas pété, mais intéressante. N'hésitez pas à vous abonner. Blablabla, bla, bla, vous connaissez tout. Venez en live. Venez en live. C'est bien le live. Allez, à la prochaine. Bye bye.